Hello, hello mes abonnés de même sa chaîne de cristal, j'espère de tout bien pour ça comme sur ma chaîne de cristal. Donc je vais l'appeler cette vidéo là, ça va être la vidéo sur je vous montre toutes les ventes de Vinted que j'ai fait, plus les deux nouveaux trucs que je vais vous mettre en ligne demain matin, puisque la vidéo je vais la poster demain matin. Donc une fois que la vidéo sera postée, je vous mettrai les deux nouveaux articles demain matin. Parce que si je mets maintenant et je vous mets la vidéo demain matin, en fait s'il y a des gens qui voient la vidéo demain matin, et ben, ils vont dire bah. Ouais, ok, d'accord, ça m'intéresse ce truc, donc j'ai envie de l'acheter. Bah, en fait, comment je fais? Parce qu'il sera peut-être déjà acheté d'ici là. Donc, je vais vous montrer. Ok, donc regardez bien. Alors, attendez. Vous voyez les marque-pages? Je sais pas si vous voyez bien les marque-pages. Celui-là, celui-là et celui-là. Je viens de faire une vente. Hein. Il n'y a même pas 10 minutes, je viens de faire une vente. Donc, vous voyez, ça, c'est trois derniers que j'ai vendus. Les marque-pages. Ensuite, vous avez les blocs. Les blocs, j'ai vendu ça, ça, j'ai vendu des livres comme ça là, j'ai vendu ça, 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 ça c'est des peintures de chez Action que j'ai vendu, ça j'ai vendu mais c'est dans un lot avec d'autres articles, donc ça pour inscrire un nom gratuit, voilà, j'ai vendu tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça j'ai vendu, voilà. Donc il y avait des livres mystères, il y avait des carrés, des petits carrés mystères, non pas des petits carrés mystères, des petits carrés, voilà, un livre de collage, voilà. Ça j'ai vendu ça aussi juste avant de faire la vente avant, voilà. Donc il y en a deux colis qui partiront demain matin déjà, voilà tout ce que j'ai vendu, parce qu'on m'a fait un, enfin on m'avait mis un commentaire en me disant oui mais on voit pas ce que tu as vendu, donc moi je fais la vidéo pour vous montrer ce que j'ai vendu. Voilà, et je vous dis, voilà. Donc, vous ne voyez pas les primes parce que ça ne vous regarde pas. Voilà, je les ai. Encore heureux déjà d'une. Parce que, normal, parce que moi, je ne savais pas, en fin de compte, que c'était pas marqué comme quoi que vous pouvez voir. En fait, il n'y a que moi qui peux voir qu'est-ce que j'ai vendu. Voilà, et pas vous. Désolé. Puisqu'une fois que c'est vendu, c'est parti. Donc, vous ne voyez plus, en fait. Parce que si ça reste encore, ça veut dire que vous pouvez l'acheter. Mais non, vous ne pouvez pas acheter, en fait. Donc, voilà ce que j'ai vendu. Donc, j'ai vendu des livres mystères, des carrés. Coloriage, vous savez, où il y a 100, 100 coloriage dedans. J'ai vendu des marque-pages. J'ai vendu quoi encore? Des livres mystères. Des marque-pages. Des carrés. J'ai vendu plein de blocs. J'ai vendu un lot de blocs aussi. La personne a marqué trois gros blocs aussi de colo. Voilà, aussi. J'ai vendu quoi encore? Que c'est tout, voilà. Donc si vous vous demandez pourquoi la palette de crayon de couleur d'Erwin n'y est plus sur le site, en fait c'est normal parce qu'en fait j'ai un autre site Vinted où je vais presque jamais dessus. Ben mon fils, je sais pas, quand j'ai demandé la première fois à mon fils de mettre là-dessus, en fait c'est-à-dire de mettre sur le mien, en fait sur celui-là que j'ai en train de vous faire, c'est Cristal je crois 944, je crois un truc comme ça, mon Vinted en fait. Bah lui, il a trouvé un autre compte du Vinted, en fait, il l'a mis dessus. Et moi, je lui ai dit, bah, montre-moi c'était quoi et tout ça, le site, tout ça, machin, pour voir c'est quoi le nom, si ça correspond avec le mien. Bah non, ça correspond pas, donc c'est un autre, en fait. Je sais pas comment ça se fait qu'il a trouvé un autre compte du Vinted à moi. Je sais pas. Voilà. Donc, la palette, je sais pas, il m'a dit qu'il me tenait au courant si la palette, si la boîte de crayon de couleur, pardon, était. Tu sais, il y avait quelqu'un, je crois, qui voulait la prendre à 50 euros. Voilà. Puisqu'elle coûte environ 70 euros, je crois, ou 75 euros. Enfin, je sais plus. C'est que sur Amazon, j'ai vu, ça dépend. En fait, un coup, les prix montent, un coup, les prix baissent. En fait, on sait jamais trop. Voilà. C'est entre 60 et 60. Et on va dire entre 60 et 80 euros. Voilà. Et moi, je l'ai mis à. Je l'ai mis à 60 euros, je crois. Sur mon Vinted à moi. Mon fils, lui, on lui a proposé 50 euros. Je dis, bah oui, prends. Voilà. 50 euros, je suis partante. Hein. Voilà. Si quelqu'un veut la prendre, en plus elle est neuve pour ainsi dire. Voilà, donc c'est bien. Voilà, donc si mon fils pourrait me le faire, ça serait cool. Voilà, normalement il faudrait peut-être que je le voie, le fils. Parce que comme je vous ai dit dans mon vlog que je l'avais vu qu'hier. Enfin, oui, hier samedi, voilà. J'allais vous dire encore dimanche. Bah non. Donc voilà, donc la vidéo sera postée. C'est la vidéo que je suis en train de vous tourner le dimanche, mais sauf que je la posterai lundi matin. Vidéo là, voilà pour vous dire. Et maintenant je vais vous montrer les deux nouveaux articles que je vais poster lundi matin, puisque la vidéo
Là, au jour où je vous tente cette vidéo-là, on est dimanche. Après-midi. Donc, dans cette trousse qui est... Alors, je vais vous dire directement, parce que là, j'avais mis les étiquettes en plus pour vous dire. Voilà, donc c'est les 100... Oh, non, attendez. Oui, les 180 bruts de Fenner. Donc, c'est une trousse complète avec tous les bruts de Fenner. Ça vous intéresse, il y a tous les bruts de Fenner à l'intérieur maintenant, si je ne me suis pas trompée. Je vais vous le montrer, ça vous intéresse, voilà. Et ça, je la fais à 30 euros. Puisque faut compter les crayons de couleur aussi, voilà. Faut compter la trousse elle-même, déjà, coûte déjà 30 euros la trousse en elle-même. Voilà. Alors, attendez, que je vous montre ça, attendez. Parce que le truc, il se barre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu. Attendez, je vais vous remonter ça, mieux que ça, voilà. Vous voyez? Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on va regarder. Voilà, mais je crois qu'il... De toute façon, je mettrai tout. Hein. Si, il y en a... Et alors, il en manque. Voilà, donc elle n'est pas complète. Vous voyez, elle n'est pas complète. Parce que dans chaque truc, il manque un. Voilà. Donc, je vais vous la mettre à moitié prix. Parce que au prix, je vais vous la mettre. Mais non, ça va être mort. Donc, je vais la mettre à 25 euros. Je vais vous la mettre à 25 euros puisqu'il en manque. Non. Bon, en fin de compte, je pense pas que je vais vous la vendre. Parce qu'il en manque trop, en fait. Voilà. Donc, dès que j'aurai retrouvé les crayons de couleur, oui, et que j'aurai mis... Je la mettrai en vente. Voilà. Donc, celle-là, je peux pas vous la mettre en vente. Parce qu'il en manque trop. Voilà. J'ai ouvert le dernier tiroir vide. Voilà. Et pourtant, je n'en suis pas servi énormément de ça. Donc, je ne comprends pas. Mais bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Ça, je vais essayer de trouver une solution pour mettre si je retrouve. Voilà. Et celle-là, c'est que les crayons-là. Donc, les crayons-là, ça vous intéresse, ils sont tous à l'intérieur. Là, cette fois-ci, là, il y en a 100. Les 100, ils sont dedans. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'en fait... En fait, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pas pu les mettre, vous savez, à l'intérieur de ça. Ah, parce que ça ne rentre pas dedans, en fait. Vous voyez? Ça ne rentre pas ici. Vous voyez? Ici, ça ne rentre pas ici, voilà. Mais je vous ai mis donc les crayons là, voilà. Donc les crayons là sont tous dedans. Là cette fois-ci, normalement je peux les recompter si vous voulez, Mais normalement il y a bien les 100. Parce que c'était une boîte de 100. Parce que moi j'avais que par 100 en fait, voilà. Mais en fait après j'avais fait comme ça, vous voyez. J'avais fait comme ça. Donc là, c'est pas qu'il en manque. Hein. Là, il n'en manque pas. Là. Je vous dis, il n'en manque pas. Là. Si vous voyez comme ça, mais non, c'est juste moi qui ai mal rangé, en fait. Je pense que c'est moi qui ai dû mal ranger, en fait. Non, mais ça, il n'en manque pas du tout. Je pense pas qu'il en manque. Hein. Là, des clients, là, je pense pas qu'il m'en manque. Hein. Je vais encore revérifier ça du milieu. Parce que ça bloque. C'est pas que ça bloque, c'est juste moi. En fait, voilà. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Suite parce que moi j'ai fait une bêtise. Si j'avais commencé à ranger, après j'ai arrêté, voilà. Et même ça tombe de partout. Voilà. Donc vous avez des crayons là. Voilà. Hop, normalement vous avez les 100 crayons là. Normalement. Voilà, je me suis pas trompée, voilà. Donc après si vous voulez. Mettre les crayons là ailleurs dans une autre trousse et garder la trousse pour vous, vous pouvez. Voilà, donc celle-là, je peux la mettre en vente à 30 euros. Voilà, vous avez la trousse qui m'a coûté je sais plus combien de milliers d'euros. Voilà, sur Amazon et les crayons là. Voilà, donc je fais le tout à 30 euros. Ça intéresse quelqu'un. Voilà, si après elle veut négocier encore le prix, encore je le fais jusqu'à 25 euros négociable. Voilà, donc je veux dire 30 euros négociable à 25 euros. Ça intéresse quelqu'un, mais ça, je le ferai ça demain matin. Donc voilà quoi. Peut-être qu'il y aura même une vente devant vous, peut-être. Attendez que je regarde.
Non, c'est pas ça du tout. Attendez. Parce que c'est compliqué pour moi de. Hop, 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 voilà. Donc je fais une dernière vérification. Vous voyez bien, le premier, ici, cette personne-là m'a pris les trois marque-pages. On est bien d'accord. Après, c'est deux trucs que moi j'ai choisi. Ça, il y a aussi un livre, une personne a voulu regarder le livre. Là, j'ai vendu un marque-page. Ici, j'ai vendu un marque-page. Ça, c'est des trucs que moi j'ai choisi. Que moi j'ai choisi hier, que j'ai pris hier pour moi, parce que j'avais envie. Hein. Ça, c'est ce que j'ai vendu aussi. Ça, c'est ce que j'ai vendu. Attends. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai vendu. Ça, c'est ce que j'ai vendu. Ça, c'est ce que j'ai vendu aussi. Un lot. Deux. On avait combien dans le lot? Je vais vous dire. Quatre. Quatre articles à 15 euros, j'ai vendu. Vous voyez? Donc, je vous ai montré. Maintenant, vous n'allez pas me dire en commentaire que. Voilà. Je vous ai montré tout ce que j'ai vendu sur Vinted. Voilà. Puis les deux trousses là, je vais essayer de retrouver ça qui me manque là. Voilà. Ou sinon, je vais essayer d'en racheter une petite boîte et puis de les rajouter à ce qui me manque. Voilà. Enfin, je sais pas, je vais voir. Donc, voilà. Et faire à mesure que je retrouve des trucs à droite à gauche, ben, je vous les mets en vente sur Vinted. Voilà. Donc, vous voyez. Franchement, moi, je trouve pas que c'est excessif. Parce que comme j'ai trouvé les prix, c'est excessif, donc j'ai changé les prix. En fait, tout était à 10 euros, pour ainsi dire. Voilà. Les grands blocs étaient à 10 euros. On m'a dit, ouais, je sais pas quoi, donc j'ai tout mis à 5 euros. Voilà. Et c'est bien parti. Hein, parce que franchement, je vais pas vous dire, mais j'ai gagné une certaine somme d'argent. Voilà, déjà. Donc, vous voyez. Déjà, prendre comme vous faites des lots. Moi, ce que je préfère, c'est quand vous faites des lots. Parce qu'en fait, quand vous faites des lots, en fait, je peux négocier avec vous les prix. Mais quand c'est 1, je peux pas négocier les prix avec vous. Voilà. Je vais pas vous faire 2,5. Je les déduis de quoi? En fait, moi, je gagne quoi? En fait, si je vous déduis de 5, bah rien. Voilà. Donc, si vous prenez plusieurs, vous m'en prenez, bon, je sais pas, 4. Vous en faites payer 3. Il y en a un qui est gratuit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, puis, là, c'est que j'ai pas assez de carton. En fait, parce que si j'avais assez de carton, en fait, pour envoyer, en fait, eh ben, j'aurais mis à la dame qui m'a pris les trois comment ça s'appelle déjà, les trois grands blocs, voilà, je leur ai mis un autre bloc que j'avais fait moi en photocopie, je sais plus c'est de quel bloc, je sais plus du tout ce qui m'a pris par la tête, voilà, mais c'est qu'il y a un bloc où c'est que photocopie 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 d'un autre bloc, voilà. Alors je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai voulu faire, voilà. Donc j'ai un bloc qui est comme ça, donc je dis ça, je le mets pas en vente, mais je le mettrai en cadeau. Si quelqu'un me prend encore des blocs, eh ben je le mettrai en cadeau. Voilà. Ça intéresse quelqu'un. Donc voilà les amis. Donc voilà quoi. Après, je me tâte, je me dis, est-ce que je vous vendrai pas d'autres trucs aussi que. Enfin, je vais voir. Parce que là, je suis en train de faire grave du tri. Pour vous mettre en vente un mois de trucs sur mon une tête. Voilà, et en plus, je trouve que ça part bien, franchement. Parce que franchement, j'ai commencé quand à faire? Mercredi ou jeudi, je sais plus. Bref, que j'ai commencé à faire ça. Et depuis, c'est bien parti, franchement. J'ai déjà pas mal bien vendu, hein, si vous avez vu tout ce que j'ai vendu. Donc, je vais vous remettre parce que vous pouvez pas voir, en fait. C'est quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit, oui, mais on voit pas, en fait. Bah là, tu vas voir tout ce que j'ai déjà vendu. Voilà. Il me reste 3 marque-pages à vendre, il me reste, ça vous intéresse. Il me reste la boîte de chez Action des tampons. En fait, toutes les. Je sais plus, il y en avait 5 ou 6 là, comme ça là. Hein? Moi, j'ai tout retiré de l'emballage et je vous ai mis tout dans une boîte. J'aurais pu laisser comme ça, mais sauf que c'était pas pour vous vendre à la base, c'est pour moi que je les garde. Et comme je m'en sers pas, j'ai dit, allez, je vais faire mieux, mettre en vente, comme ça moi je suis tranquille. Voilà, donc je l'ai mis à 5 euros la boîte. Je trouve pas ça si cher que ça. Voilà. Ensuite, après, il reste 3 grands blocs. Bloc tableau, bloc message, il reste le bloc semeur. Si ça vous intéresse. Après, il reste des palettes de chez de peinture à l'huile. Il reste ça.
de chez Jiffy. Voilà. Il me reste aussi des trucs de chez Action aussi. Voilà. Il me reste aussi un livre de. Un grand bloc carte à gratter le Roi Lion. Voilà. Comme je ne savais pas faire, bah, jamais fait en fait. Voilà. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai vendu. Voilà. Donc, je vous remonte une dernière fois tout ce que j'ai vendu. Attendez. Ah, donc on va refaire comme ça, vous voyez. Là, vous avez quatre trucs déjà. 5. 5. Puisque là, c'est deux fois le même, donc c'est 5. 6, 7. 8. 9. 10, 11. 12, 13. 14, 15. Ça m'énerve. 15. 16, 17. 16, 17. 18, 19. 20, 21. 22, 23. 24 trucs que j'ai vendus déjà. En tout, j'ai vendu 24 trucs en tout. Voilà. Et 24 articles pour un certain montant. Je ne mens pas. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça, c'est mon truc vraiment personnel. Voilà. Donc, venez pas en commentaire me dire, ouais, mais que tu as gagné combien, machin, machin. J'ai gagné un certain prix, franchement. Donc, je suis assez fière de moi, franchement. Parce que si les ventes continuent comme ça, je vais avoir encore un certain prix et peut-être pouvoir vendre encore un peu plus. Donc, ben, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je me suis quand même gardé des trucs pour moi, quand même. 3 marque-pages sur 7 que j'ai mis en vente. Voilà. Je trouve ça pas mal. Ensuite. Qu'est-ce que je sais plus. Ah, donc je cherche. Donc quand j'ai des trucs, bah, je les mettrai sur le site. Voilà. Donc ça commence là pour mon anniversaire déjà. Parce que tout ça, c'est tout cet argent-là, c'est que je vais mettre de côté pour mon anniversaire. Parce que je voudrais m'acheter pas mal de trucs à droite et à gauche. Voilà. Donc je voudrais faire des boutiques toute la journée. Faire un petit resto le midi pour mon anniversaire, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc d'ici, parce que mon anniversaire c'est le 31 juillet. Et donc, bah, j'avais dit 3, mais en fait le 3, je crois pas que je serais prête pour le 3. Et on essaye de trouver un. Enfin bref, un truc pour mon fils. Parce que mon fils voudrait partir en vacances avec sa famille, c'est normal. Sa famille, enfin, du côté de son père. Hein, tout le monde part. Donc lui aussi, il voudrait bien partir avec aussi en Algérie. Voilà, donc on essaie de trouver un billet d'avion. Dans la famille, voilà quoi. Moi j'ai dit, on me dit, moi j'aimerais bien partir avec vous aussi, mais je peux pas. Je ne peux pas partir avec vous en vacances. Parce qu'il faut penser que si je pars avec un, je laisse trois. Eh oui, j'ai quatre enfants en tout quand même. Donc non, je peux pas. Voilà les amis. Bah écoutez, je m'arrête là pour cette petite vidéo. Voilà. Si j'ai d'autres trucs à vous mettre en vente, bah je vais vous mettre en vente. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis, prenez soin de vous. De vos proches parce que pour moi c'est plus important et merci encore d'être là pour moi parce qu'on est de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne. Là aujourd'hui on est dimanche, je vais vous montrer combien on est sur la chaîne. Voilà, et ça me fait énormément plaisir que vous soyez là avec moi à me soutenir. Tout à l'heure j'ai vu un message encore, il y avait quelqu'un encore qui vient de s'abonner à la chaîne, je crois. Ah, on est 465 abonnés. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire, les amis. J'ai 465 abonnés. Les amis, s'il vous plaît, faites. Allez-y, abonnez-vous à fond la caisse là. Parce que j'ai une idée en tête, en fait. Voilà. Plein d'idées en tête. Hein, mais j'ai pas le temps. Voilà. Et surtout, il y a une personne qui m'a mis un commentaire qui m'a un peu dégoûté. Mais ça, j'en parlerai de ça dans une autre vidéo. Voilà. La vidéo qui va être sortie mardi, je crois. Voilà. Parce que je peux pas, j'aime pas vous mettre de vidéos à la suite, vous voyez. Parce qu'après, je me dis, oui, je vous poste. Parce qu'avant, je postais 3, 4, 5 vidéos dans l'affilée. Mais en fin de compte, je mets quoi? Mardi, vous avez un. Mercredi, vous avez un. Vous avez rien toute la fin de la semaine. Donc, non, ça ne convient pas. Donc, je vais vous tourner une prochaine vidéo. Et on va parler des commentaires. Je réponds à vos commentaires. Voilà, c'est tout. Simplement, voilà. Donc, je vais répondre sur plusieurs vidéos. Je vais répondre à certains commentaires. Voilà. Sur ce. Mille bisous encore à vous tous et merci encore d'être là. Pour moi, ça fait chaud au cœur.
Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà.